Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on est avec un frère tunisien. Tunisien, hein. Tunisien, oui, c'est ma mère. T'inquiète, j'ai fait un runner. On va y aller, ah, d'accord. Bah la famille, n'oubliez pas le petit avec le petit abonnement et le petit partage parce qu'aujourd'hui nous allons refaire une vidéo qu'on a fait il y a pas très longtemps, donc du coup avec Zantar, Momo et toute l'équipe. Et lui, il a dit, moi tunisien, moi je mange les piquants. On va voir si tu manges le piquant, parce que toi tu confonds la pâte à tartiner tunisienne Larissa et ce truc là. Non mais arrête de parler, mange. Je peux dire un truc. Il me dit ouais, je suis pas tunisien, je suis marocain tunisien. Je lui dis oui, avec l'argent ça se voit, t'es tunisien. Je vous aime les tunisiens, de toute façon je suis tunisien moi aussi. Ouais, tu sais que je suis tunisien en plus moi. Ah ouais. Voilà, ma femme elle est tunisienne, je la dirais tunisienne. Mais non. C'est pour ça moi aussi j'aime l'argent. C'est pour ça. Bon, allez, c'est parti. C'est pour ça que j'aime gagner l'argent, j'aime pas dépenser l'argent. Tu crois ça vient d'où? Ouais, c'est vrai que les Tunisiens on est un peu comme ça mais... On aime l'argent, on aime prendre l'argent, on aime pas donner l'argent, hein. C'est ça. Allez, 1, 2, 3. Vas-y, ok, mange. Mange, ça va, j'en ai mis, ok. Mais c'est rien, ça brûle pas, go, t'es tunisien. Ah, tunisien, hein, tunisien, mange. Attends. Arrête, mange. Là, je vais vous dire un truc, sérieusement, c'est ça qui est piquant, mais je vais te le taper, Abdel. Mais regarde juste, hein. Je vais te montrer que moi je rigole pas, mais regardez. Montre l'intérieur de la gamelle quand même. Est-ce que tu veux que j'utilise l'accent tunisien pour dire un truc? Hack, j'ai trop. Est-ce que vous avez vu quand il a mangé la première fourchette, la décomposition du visage ou pas? Est-ce que vous avez vu qu'il a changé la couleur? De toute façon, moi c'est simple. La première c'était une analyse. Regardez, fais le malin. Moi je dis juste un truc. Fais le malin. Avec ta bouche. Il croit que c'est maintenant. Il sait pas que. En vrai, c'est juste chaud. Hein. Mais ça, je peux le manger, mais Anne. Ouais. Oh là 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 là. Vas-y. Non, mais il y en a qui arrivent. Oui, bah, il y en a qui arrivent. Bien sûr, moi aussi, j'y arrive les 10-15 premières minutes. C'est après que ça commence à réagir. Et là, merde. Je vais la finir, la gamelle, frère. Vas-y, enchaîne, frère. Qu'est-ce que t'attends, frère? Prends des plus grosses cuillères déjà. C'est juste pour pas que ça fasse un mode gros, tu vois, parce que sinon... Et tu sais que des fois, malheureusement, ce qui va... ta langue va supporter, mais comme Zantar, c'est le ventre qui va dire « Oh merde, y'a un problème, là !» Mais tu vois, ça, je suis au courant, hein. Mais moi, tape, du moment présent. Ouais. Pense au futur, moi, je te le dis. la soirée que j'ai passée, mon pote... Ah, je t'ai dit que je l'ai passé dans 3 mètres carrés. Non, mais il rigole, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les Tunisiens, on mange très piquant. Donc moi, je suis habitué à manger. Je suis entier. J'ai dit oui, je t'emmène des piments de la Réunion. Mais après, toutes les personnes ne réagissent pas pareil. Il y en a, leur estomac est hyper résistant, tu vois. S'il faut, lui, il va même pas être malade. Mais après, Zantar, s'il faut, il aurait pas été malade. Zantar, ça se trouve, c'est juste son estomac ce jour-là. Non, c'est lui, il a fait n'importe quoi. Il a mangé comme un sagouin. Il a bu du coca et tout. Ah ouais. Il a mélangé. Moi j'ai préparé un petit verre d'eau. Il a abusé du bail le chacal là. Il a mis c'est vrai que c'est le verre de coca, je pense. Le mec il s'est mis le feu au ventre et juste après il a gazé son ventre, frère, avec du gaz du coca, frère. T'es malade toi. Mais comment tu manges, frère? Tu as un cœur comme ça, on dirait les enfants de 7 ans. Voilà. C'est pour reprendre des bonnes fourchettes. D'accord. Non, en fait, t'as l'impression que c'est chaud. En fait, c'est un. Alors qu'elle n'est pas des enfants. Non, mais c'est possible. Non, elles sont chaudes, je viens de les faire. Oui, mais j'ai tout de suite pas tout à l'heure, c'est froid. C'est pas chaud. Fais le malin. Tu peux continuer là? Ah, jusqu'à ce que j'aurai plus faim, quoi. Bah non, tu finis. T'as exactement dit, je vais te la finir la gueule. D'ailleurs, ce soir, il y aura la vidéo de Zantar qui va arriver. Donc, ça va être bien. Et pour ceux et celles qui veulent savoir, ça fait que ce soir, il y a quand même 2 vidéos de bouffe. Mm. C'est vrai. On commence à se transformer en chaîne dégustation, frère. Montre ce qui reste après. On a mis 3 paquets quand même. Ouais, il y a 3 paquets? Ouais, 3 paquets. Ah ouais, excusez-moi. Il y a 3 paquets. Ouais, il est dégueu, hein. Ça va. Il pensait que j'allais pas réussir, Zanta. Je suis entendu. Ah, mais attends. Ensuite, j'allais pas réussir. Ah, oui, c'est à force de manger du piquant avec le chaud. En plus, il mange rapidement. Fais le malin.
Attendez, parce que là, tout à l'heure, j'enchaîne. Ouais. Ah, parce que t'as... J'enchaîne, grave. Non, ça va être chiant. Ah, c'est normal que ça pique, mais franchement, là, il la... a bien là, c'est mangé. La fierté marocaine-tunisienne qui parle, là, de ce côté-là. Là. Hein, ouais. Parce qu'il y a une bonne fierté aussi dans ce domaine. Mais... Tu vas passer la soirée dans 3 mètres carrés, là. Tu vas voir. Non, moi, je trouve qu'il a bien mangé, quand même. J'ai bien mangé. Il y a 3 paquets. Moi, j'ai on valide. On n'a pas vu les effets secondaires encore. Non, mais c'est bien, t'as mangé 3 paquets, c'est non, bien. On n'est pas en train de te cracher dessus, calme-toi. Non, non, c'est bien, c'est bien. Il m'a acheté un rondin, frère. Ah, je suis trop fier, Abdel, rondin. Ouais, vas-y, mange. Le truc, c'est que toi, t'avais quoi? T'avais un truc à gagner, toi? Non. Eh, y'a rien à gagner? Non. Moi, j'aime bien faire toujours gagner des trucs, t'as vu. Benef Tarlif. Déjà, je mange Benef Tarlif. En plus, ici, franchement, je les ai tous fait croquer. Toi, je t'avais fait faire quoi comme cadeau déjà dans un défi? Dans un défi? Ouais. Dans un défi, j'ai eu que les 500 euros. C'est avec la carte bleue. T'as eu 500 que euros? Que les 500 euros que... Ouais, non, mais que ce défi-là, je veux dire. T'as eu 500 euros. Mais t'as. Attends, vous avez pas eu aussi 1500 euros à un moment donné? Parce que vous m'avez de la carte. Moi, Momo et. Moi, Oussama et Pedro. Ouais. Ok, ouais. Donc 500, 500, 500. Toi, t'as eu quoi aussi? Moi, j'ai eu. Bah, j'ai eu ça avec le casque, quoi, le truc qu'on avait fait aussi. Ah oui, ouais, ah oui, les cadeaux aussi. Aussi. Ouais. Et la vite fait, il a oublié le téléphone à 600 balles aussi qu'on a fait. Ouais, c'est vrai, le OnePlus. Ah, il a oublié. Ouais. Non, mais ah, j'ai oublié, pas oublié. Le jour où je me suis séparé, jusqu'à je t'ai envoyé un vocal. J'ai dit, Abdel, il va me manquer et tout ça, ouais. Te rappelle? Tu m'as dit, j'ai donné à ma daronne. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est vrai. Bon, ça va, Benef, t'es allé fou. Cadeau de la fin d'année de la daronne. Tiens, je te rembourse le téléphone que Kimix 13 m'a donné. C'est vrai, c'est ça. C'est mieux que rien. Lui, après, en vrai, lui, non, pardon, pas 500 balles, iPhone X, non, deux iPhone X, deux iPhone X, sale grosse merde, deux iPhone X, lui, je l'ai offert. Il y avait du shopping aussi. La dernière fois que j'ai offert un iPhone X, il a cru que c'était un sous-marin, le merdier. Devine le prix shopping qu'on avait fait là, ouais. À AJD. Il y avait quoi d'autre? Ça serait bien ça, une vidéo concept, devine le prix. Et à chaque fois qu'il y en a qui devine le prix, eh ben, il gagne le cadeau. Un peu de truc là, parce que. Quoi? J'ai besoin de lait là. Ah ouais, pourquoi? Non! Moi j'ai pas eu droit au lait moi. Bah quoi? C'est parce que t'as voulu prendre du coca? Mais oui, après tu bois le lait. Vas-y, mange. Mange. Après la technique. Montre elle a combien? Ouais. Comment on dit mange en arabe? Ok. Ah, t'as bientôt fini! Bah oui, ça va, il te reste 4 grosses fourchettes. Ouais, vraiment. Aïe, aïe, une pour maman, aïe. Allez. Une pour ta daronne. Ça brûle, mais il est fier. Une pour ton daron. Une pour ton daron, là. En tout cas, c'est pas très piquant, mais ça m'a débouché le nez. Ouais. Y'a pas que le nez qui va te déboucher, moi, je te le dis. C'est mieux que le truc de merde que tu achètes à la pharmacie, là. Faire VF, ouais, c'est bien. C'est mieux. Prends un paquet comme ça, frère, à 2 euros. Acheter des nouilles piquantes, c'est plus bien. Mais tu sais qu'on dit que c'est bien de temps en temps de manger piquant, ça nettoie un peu. Oui, bah oui, c'est bien. Ouais, bah tu te rends compte, la dernière fois, il y avait du nettoyage dans le ventre à Zantar. Ah oui. Putain, il a fini au shot, ça a fini mal. C'est-à-dire qu'il y avait du nettoyage à faire quand même. Ah, c'est juste parce que j'ai plus faim, sinon je l'aurais terminé direct. Bah, déjà, t'as plus faim. Mais de toute façon, t'as bientôt fini. 3 paquets quand même. Ouais. 3 paquets, c'est énorme. Mmh. Allez. GG. Parle pas tunisien. Allez. Non, mais faut pas me faire dégueuler non plus, regarde. Allez. Attends. Ouais, il a plus rien à prouver. Aïe, il en reste. Allez, enchaîne là. Mais là, je vais dégueuler si je mange pas. Non, non, tu dégueules pas, t'es tunisien. Tu dégueules pas. J'ai vraiment besoin d'un petit coup là. Le portugais, il dégueule. Le tunisien, non. J'ai besoin d'un petit coup. La chalib, c'est pour tout à l'heure. Ouais. Allez, la petite dernière, allez. L'avant-dernière. Je tiens à préciser que Mia a dit que t'étais méchant parce que tu lui as pas laissé boire du lait. T'as raison, papa. Là. Moi, je suis méchant? Ouais. Quand tu lui donnes pas quelque chose. Ton temps, il est méchant? Quand tu lui donnes pas quelque chose. C'est qui peut mettre les rebeux? C'est qui? C'est qui, ma chérie? Non, ne la regarde pas comme ça. Amène-moi un coup, un truc. C'est qui, ma chérie, le plus beau de tout? Ouais, ça va arrêter de couler. S'il te plaît, non, 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 vraiment. Vas-y, Momo, tu te fous. Tonton, il achète des poupées. Tonton. Et quand même aussi, Oussama est joli. Bien joué. Il dure joli, là, comme ça. T'as vu? T'as vu? J'ai fait exprès de mettre la casquette toute la vidéo et là, je me fais ça. La casquette de qui, c'est là? C'est la tienne. Ouais, c'est bon. C'est trop tard, maintenant. Non, j'ai fait votre défi. Ouais, t'as joué le jeu. T'as joué. Bien joué. Bien joué.
T'as gagné de court le droit d'aller aux toilettes. T'as eu le droit d'avoir mangé à l'œil. Voilà. T'as mangé gratuit. Bon, en tout cas, vraiment. Mangé bénéf. Bien riche. Merci, Frérot. En tout cas, je suis content. Moi, je savais qu'il allait le faire. Il a trop de fierté, ce gars. Toutes les filles, qui rêvent de rencontrer un homme qui est capable de manger de la rissa et qui est capable de manger des nouilles piquantes. Eh ben, tous ceux qui veulent lui parler, eh ben, je ne mettrai pas sur Instagram. Non, mais il est déjà pris, fais attention. Ça. Hein c'est tu peux mettre mon truc sur Instagram, bien sûr. Pas ton Instagram, frère, t'as craqué. Mais tu sais ce que tu viens de dire? Non, bah non, il a dit je viens de dire. Il a dit je mettrai pas sur Instagram. Attends, viens, on demande. Lia, t'as bien entendu, je vais mettre l'Instagram. Non, il a dit je mettrai pas. Ah non, là, sur ce coup-là, je peux pas te défendre. Vas-y, c'est pas grave. Je peux pas te défendre, sinon on va dormir sur le salon ce soir, ça serait bête pour lui. Ah non, ça serait lui, ça serait con pour lui. Ah mais sur Instagram. Ah mais ça va. Ah mais sur Instagram. Ça c'est pour tous les abonnés d'Abdel puisque c'est vrai que il me dit ah Abdel, tonton il t'a défié tout. Il a pas peur de vendre son cul pour vous hein, dans les vidéos hein. Quand il faut faire du Tout à l'heure il était prêt à balayer une grand-mère à Carrefour. Il a dit pour une pub Insta voilà je balaye une grand-mère à Carrefour. Moi j'ai un défi à te proposer. Dis-moi. Un défi lourd. Bon après frère, après il faudra que tu signes juste un papier d'autorisation. Tu brilles deux grands. Parce que je pense qu'il y a des crocos là dans les marécages que j'ai. Ouais. La fin, voilà, on a entendu un gros truc dans l'eau. Très bizarre, donc, ouais. Est-ce que t'es chaud frérot une vidéo où tu plonges dans les marécages? Contre quoi? Après frère, si t'arrives un truc, tu vois. Tu signes une décharge avant, tu vois. Regarde, tu sais quoi? Regarde bien, fais un truc. Ouais. Si. Non mais regarde, écoute-moi. Comme ça, ça va faire plein de trucs pour les abonnés. Ouais. Si tu me fais une pub Insta, ok. Attends, écoute-moi. Si tu fais une grosse pub Insta. Tu dépasses en retard, plus de 70 km. Non, une bonne pub Insta, je sais de quoi je parle. Enfin, bref, t'as compris. Et qu'ils atteignent un certain truc de like. Parce que s'il y a 5000 likes, ça sert à rien, frérot. Ouais. Toi, dans ta vidéo, il faut que tout le monde soit déter, tu vois. Ouais. Et qu'on fait la vidéo jacuzzi 24h, vas-y. Je suis chaud. Mais qu'il faut trop ça, en fait, t'as pas le choix, hein. C'est déjà compris. Bah vas-y. Non, mais parce que de toute façon, c'est que je vais gagner, je suis trop fort en défi. Du coup, t'es chaud pour les marécages. Mais là, t'es chouchou. Pour une personne. Par contre, c'est obligé. Je vais rajouter un truc, hein. Consultation chez le médecin le lendemain. Tu m'emmènes chez le médecin, tu peux payer ma consultation. Pourquoi? T'as pas la qualité? On sait jamais, frère, il y a un gynataque à la peau. Hein. Donc je te propose un truc, c'est que le soir même où tu iras du coup dans le marécage, tu prendras un hôtel. L'hôtel de la Hesse par contre, 2 étoiles, un truc comme ça. C'est bon? C'est pas une consultation chez le médecin ça. Ou alors on le fait la veille qui remonte à Paris. Non, déconne, bon là, déconne. Là on fera des petits défis, vous inquiétez pas, on se tient au jus. En tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA, à très très bientôt pour d'autres prochaines vidéos. Ciao tout le monde, merci.